Lauréat du prix RSE décerné cette année par le CRA, Frédéric Léonard est avec nous pour nous parler de son parcours, ses entreprises et son avenir. Bonjour Frédéric et félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Avec nous également Jérôme Lamotte, directeur du marché des entreprises et des ingénieries à la Banque Populaire. Bonjour. Bonjour. Et Annie Bondu, déléguée CRA Poitiers. Bonjour Annie. Bonjour. Qu'avez-vous ressenti, Frédéric Léonard, en apprenant cette récompense? C'est toujours un plaisir de recevoir une récompense et puis c'était une grande fierté de la prendre et je l'ai pris aussi avec beaucoup d'encouragement sur ce que j'ai entrepris et ce que j'entreprendrai un peu plus tard aussi. Jérôme, Annie, qu'est-ce qui a séduit le jury? Eh bien, c'est ce dynamisme, cette constante amélioration, c'est les challenges que Frédéric a voulu relever et puis l'efficacité des actions mises en place au fur et à mesure des années. Jérôme, qu'est-ce qui vous a Bah, frappé en moi, moi, regardant ce c'est, dossier? moi, en regardant, c'est que vous avez tous les ingrédients d'une superbe reprise. Et comme là, on parle de prix RSE, c'est vrai que quand on reprend une entreprise, bah, on s'endette. Hein, c'est en général dans 90% des cas. Et après, se lancer dans toute une politique RSE, et on va en parler après, bah, c'est d'autant plus audacieux parce que ça nécessite d'autres investissements. Donc, je reprends plus de risques, mais je pense qu'on va le voir, c'était des risques bien payants. Donc, c'était pour le coup vraiment. Et on a un entrepreneur passionné, tout ce qu'on aime en fait, je pense. Votre secteur, c'est le bois, et on peut dire qu'entre vous et lui, c'est une longue et belle histoire. Racontez-nous. Oui, je suis issu d'un père qui travaillait à l'Office national des forêts, mère commerçante dans les produits naturels, et on habitait dans une maison forestière de l'Office national des forêts, au bout de la rue, dernière maison et derrière la forêt. Et donc, naturellement, en fait, je me suis lancé dans les études forestières, et c'est comme ça que je suis rentré dans la filière bois. Et plusieurs postes Oui, dans cette filière. plusieurs postes. J'ai démarré comme ouvrier forestier, parce que c'était au lendemain de mes études. Puis est arrivé des opportunités où j'ai répondu à plusieurs annonces. Et donc j'ai vu plusieurs variantes de la filière, le côté propriétaire, le côté industriel. Et petit à petit, j'ai franchi certains postes. Et donc un jour est arrivé une proposition de reprendre la Ouais. scierie Bédora. Et c'était, je m'en souviens bien, en octobre 2016. Alors racontez-nous parce que tout s'est joué sur un coup de fil. Oui, j'étais en train de parcourir une propriété forestière dans les Landes et c'était la fin de la journée, il faisait bon et je m'en souviens bien. Et j'ai monsieur Michel Bédora, troisième génération, qui m'appelle. Il me dit, bon, Frédéric, ça fait 2 ans que je cherche à partir à la retraite, je cherche un repreneur. Est-ce que le projet de reprendre ma scierie pourrait être intéressant? Et je lui dis, mais pourquoi pas? On se rencontre et on en parle. Il vous connaissait comment? Mais C'est par votre le biais, réseau? oui, par Ouais. le biais de mes différents postes précédemment, le fait que j'étais quand même connu dans toute la région Aix-Aquitaine, et donc c'est un partenaire que j'avais et qui a pensé à moi. Alors présentez-nous cette entreprise, en quelques mots, quelques chiffres. Quelques chiffres. Scierie Bédora, elle a démarré en 1919. Elle travaillait avec une trentaine de personnes, mais c'était la scierie qui était en forêt. Et dans les années 50, la scierie s'est fixée. Et donc, il y a eu 3 générations Bédora. Et c'est une scierie qui a une spécialité, notamment les traverses en pin, et qui sortent différents produits de sciage en Ouais. pin maritime. Et cette entreprise, elle cochait de nombreuses cases. Lesquelles? Alors, ce qui m'avait interpellé déjà, c'était la dimension humaine de l'entreprise. Je trouvais que par rapport à une première expérience pour moi d'aller vers une entreprise, elle était dimensionnée pour mon âge, à l'aube de mes 40 ans. Et en plus de ça, 100 ans, bientôt, je trouvais que ça avait du poids. Dans ma filière, une première expérience très, très, très passionnante et à 20 minutes de chez moi. Oui, On peut peut-être dire que le Jérôme. repreneur coche aussi de nombreuses cases. Il est quand Effectivement. même passionné, il est dans le métier, je veux dire, Ouais. familial, il reprend une entreprise centenaire maintenant. C'est vrai. Voilà, Annie dans le CRA, Ah ben, c'est quand même le profil, ce là. sont les valeurs que nous Voilà. défendrons, hein, ça c'est Voilà. clair. Et avec des valeurs humaines fortes, et on va le voir. Et à cette époque-là, tout le monde fuyait le bois, pas vous. Non,
Je pense que on arrive à un âge, je ne sais pas quel est l'âge moyen quand on reprend une entreprise, mais ça faisait quand même presque 17-18 ans que j'étais dans la filière bois, que j'ai parcouru plusieurs entreprises, plusieurs postes, et une ambition d'entreprendre, je pense, et puis étant passionné, cette entreprise pour moi était passionnante. Et effectivement, votre parcours est passionnant et tout ce que vous avez construit depuis la reprise l'est tout autant. Il faut d'abord dire qu'en changeant de propriétaire, bien l'entreprise, elle a vraiment changé d'époque. Oui. Je me souviens du 28 février 2018. Vous pourrez vérifier. Il a neigé dans les Landes. Il neige des fois dans les Landes. Et donc. Je vois c'est la pause de midi et je vois les salariés et en fait je me suis aperçu qu'ils mangeaient soit à l'intérieur de la scierie, soit dans la voiture, soit certains rentraient chez eux, il faisait froid. Je dis mais venez, je les ai invités à rentrer dans le bureau parce qu'il n'y avait pas de salle de repos. Et donc de là m'est construit une idée, je dis il faut une salle de repos, une base, une salle de vestiaire. Et donc quelques mois après j'ai eu l'opportunité d'acheter un mobil-home. Un grand mobil-home qui s'est transformé en vestiaire et en salle de pause, notamment. C'était l'une des premières actions que j'avais entrepris vers les salariés. Mais avant, lorsque vous reprenez cette entreprise, vous vous rendez compte qu'il y a certaines pratiques d'un autre âge. Parlez-nous notamment de ce livre que vous avez découvert et qui décrit et retrace finalement... toutes les années et toute l'histoire de cette entreprise. Oui, Monsieur Bedora m'avait indiqué qu'il tenait à jour depuis le début tous les achats bois dans un carnet. Et il m'a présenté le carnet. Alors moi, j'appelle le carnet de pirate parce que c'est un grand carnet vieux et où toutes les générations Bedora a inscrit chaque achat bois, chaque propriétaire. Et donc, reprenant cette la Syrie en 2018, et je me suis dit, mais il faut que je continue cette aventure de ce livre. Donc, depuis ma reprise, je continue à écrire sur ce livre à l'époque où on digitalise. Oui, alors vous êtes mis quand même au tableau Excel, alors, mais vous continuez quand même cette fameuse tradition. C'est vrai qu'en 2019, je dis souvent, j'ai amené la Syrie en 2000, parce que beaucoup de pièces administratives étaient faites des tableaux encore, c'était des tableaux papier stylo. Et donc j'ai fait rentrer Excel dans l'entreprise, incroyable. Jérôme, ça arrive souvent ça, des entreprises avec la comptabilité encore écrite à la main Souvent, non, mais oui, ça arrive quand même. Hein, on est dans une entreprise centenaire, génération en génération, effectivement. Et c'est tout l'intérêt des reprises, c'est justement la nouvelle vision du repreneur. Bon, après, moi, j'ai une question. Est-ce qu'on a, sur le carnet, on a encore des pages pour s'entendre plus? Parce que, oui. Parce que là, il faut aller cocher le bicentenaire. C'est un grand carnet, vraiment. Il a vraiment l'image du carnet de pirates. Bon, comme on peut l'imaginer, on pourra le voir sur des photos. Alors, en 4 ans, vous avez fait beaucoup pour l'entreprise et ses salariés. On a parlé de cette fameuse salle de repos qui change leur quotidien, surtout quand il fait froid et qu'il neige. Vous avez aussi investi pour diminuer la pénibilité. La salle de repos, en plus de ça, a permis que certains qui ne restaient pas, restaient. Donc ça veut dire que... Vous voulez dire pour le déjeuner, c'est oui, ça? Oui, oui. Et donc... c'est ça, la cohésion sociale. Oui, qui... ça a permis de faire une meilleure cohésion. Bien sûr. Et après, vous étudiez les différents postes de pénibilité et vous apercevez que comme on empile manuellement, eh bien, quand vous empilez des pièces lourdes, vous baissez, vous faites ça plusieurs fois dans la journée, c'est fatigant. Donc j'ai eu la présence d'esprit d'essayer d'acheter des tables élévatrices qui permettent de lever, baisser à bon escient et donc de faciliter l'empilage manuel, notamment pour les pièces les plus lourdes. Vous avez aussi réorganisé la semaine de travail. Oui. Depuis plus d'un an, j'ai échangé avec les salariés. Je leur ai dit, écoutez, on travaille sur 5 jours. Pourquoi ne pas faire ces 5 jours en 4 jours? Au lieu de vous lever 5 fois, vous levez 4 fois. Au lieu de vous déplacer 5 fois, vous déplacez 4 fois. On agrandit la journée. On réduit la pause de midi, qui était à la base de midi à 14h. Donc entre midi et 14h, ils ne faisaient rien. J'ai dit, on essaye et puis on verra.
Et ils m'ont dit, oui, essayons. Et donc, depuis ce système, eh bien, je pense qu'il sera très compliqué de le changer. Tout le monde s'y retrouve, les salariés, l'entreprise, parce que en termes d'absentéisme, je n'ai pas besoin de faire un taux d'absent, il y en a très peu. L'équipe, c'est souvent les mêmes personnes, à part des départs à la retraite. Donc, je vois que c'est très apprécié et aujourd'hui, je pense que je ne le changerai pas. Et ça coule de source, tout simplement, et on l'adapte. Par contre, quand on arrive en saison estivale, quand il fait chaud, à travailler un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce qui se passe le vendredi dans votre entreprise? Alors, le vendredi, comme je dis, c'est gagnant-gagnant parce que moi, l'entreprise, le vendredi, permet de faire de l'entretien, permet de faire des réparations. Et en plus, avec les problèmes énergétiques que nous subissons aujourd'hui... Il y a des gains. Je suppose que l'entreprise a fait des gains aussi. Mais moins de pertes, on va dire, en termes de dépenses énergétiques, parce que j'ai un créneau horaire qui est de 9h à 11h, en heure d'hiver, qui est en heure de pointe. Donc le vendredi, ne travaillant pas à ce créneau-là, ça fait économiser. Et en ce moment, c'est et aujourd'hui, oui, important. Très. Ce n'est pas tout, parce que vous l'avez dit, vous avez... diminuer la pénibilité, vous avez réorganisé la semaine de travail et vous avez aussi permis aux salariés de bénéficier de primes et d'avantages. Oui, je dis souvent, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je voulais quand j'étais salarié. Et donc aujourd'hui, en ayant les clés d'une entreprise, je peux faire ce que je voulais avant. Et donc, je trouve naturel d'avoir proposé depuis l'exercice 2022 un intéressement sur le résultat de l'entreprise. Oui. Une réaction, Jérôme? On parle beaucoup de partage de valeur. On y est là. On associe les salariés à la performance de l'entreprise. Donc, là, on parlait de démarche RSE. La RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Il y a cette dimension humaine qui est très forte et c'est un très bel exemple. Annie, c'est important d'embarquer effectivement tous les salariés. C'est l'une des clés de la réussite. C'est un projet d'entreprise et Frédéric, il le motive, il l'applique et ça, c'est formidable parce qu'avoir des idées de développement moderne, etc., c'est magnifique. Mais les appliquer et embarquer son équipe avec soi, eh ben, ça, c'est formidable et je trouve ça remarquable. Alors ça, c'est le côté matériel. Il y a aussi des petites attentions au quotidien, notamment à l'occasion des anniversaires. vous m'avez expliqué l'anecdote en préparant cette émission et je voudrais que vous la racontiez. Oui, alors là... Je trouve que c'est sympa de notifier à l'ensemble de l'entreprise que c'est l'anniversaire de tel salarié. Donc, on a pris pour habitude que quand c'est l'anniversaire, on ouvre les bureaux et on met une affiche pour mettre à l'honneur la personne qui fête son anniversaire. Notamment aussi la date d'entrée d'entreprise. Donc, ça fait deux anniversaires par an. Ça fait deux anniversaires par an. Et par salarié. et si vous voulez, les salariés, ils le voient. Ça permet de discuter entre nous, de dire ah, bon anniversaire. Et donc, on se parle. Et ça, c'est très important. Et même des fois, les salariés me demandent est-ce que je peux garder la fiche et l'amener à la maison pour montrer tout simplement chez lui. Et une des histoires que je vous ai racontées, oui, c'était un jour, j'ai eu une opportunité, on me dit, j'ai des fraises, j'ai des patates douces en cajot, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et j'ai eu l'idée d'un coup me dire, mais oui, pourquoi pas? Et je vais prendre un cajot de patates douces, un cajot de fraises chez l'agriculteur du coin. Et je vais aller amener ça à chacun de mes salariés. Donc, j'ai transformé ma voiture. On aurait dit qu'en fait, que je partais faire les marchés. Ouais, des petites attentions au quotidien qui comptent. Tout à fait. Et donc, ils ont apprécié ce geste-là. De nombreuses avancées aussi dans le domaine environnemental, avec un gros investissement dans le solaire. Un choix qui dépassait à l'époque le contexte économique. Ce sont des vraies convictions pour vous. Oui, c'est des vraies convictions. Dès ma reprise, j'avais besoin éventuellement de protéger ma marchandise des intempéries, du soleil. Et donc, j'ai construit mon idée, mais il me faut des hangars. Et en parallèle, je vois la forêt landaise où malheureusement de nombreuses collectivités territoriales coupent leurs forêts pour mettre des panneaux solaires dans les landes. J'ai trouvé ça aberrant. Et là est arrivée l'idée, mais sur mes bâtiments, je vais mettre du panneau solaire. Ça a mis du temps pour faire le projet parce qu'il y a eu la période de Covid et donc ça s'est concrétisé
là il y a peu de temps. Donc j'ai deux hangars avec au-dessus des panneaux solaires qui me permettent en plus d'utiliser l'énergie solaire, alors qu'il y a encore même un an, on me disait, monsieur Léonard, vous vous trompez, il faut vendre l'électricité parce que c'est plus rentable économiquement. Mais moi j'ai dit, ce n'est pas mon intérêt, je veux un autre intérêt, je veux montrer ce que j'aime, je veux montrer mes valeurs et je veux montrer que notre établissement, en plus d'être centenaire, est moderne et responsable. Et donc j'ai opté pour cette voie d'utiliser l'énergie solaire qui démarre là depuis le mois de janvier. Vous avez pris d'autres décisions cette fois-ci concernant le produit, le oui. bois. Oui, on doit traiter le bois avec un produit anti-bleu contre un champignon qui apparaît, c'est juste un bleuissement. Et donc, depuis 2021, je suis allé vers des produits appelés biosourcés, plus allégés, donc moins lourds pour l'environnement. Alors, je le disais au début de cette émission, vous alliez nous parler de vos entreprises parce que vous avez repris depuis deux autres entreprises, d'autres activités, mais on ne se refait pas, hein, toujours dans la filière bois. Exactement. Un an et demi après ma reprise de la scierie Bédora, est arrivée une opportunité où malheureusement une entreprise à côté, à une douzaine de kilomètres, avait fermé et elle faisait la suite de ma scierie. C'est ce qu'on appelle la deuxième transformation et notamment dans des palettes sur mesure. Et moi j'ai eu l'idée, et pourquoi pas. Donc j'ai étudié le dossier et en fait j'ai racheté le matériel auprès du tribunal de commerce. Et je suis allé très vite parce que la fermeture était en août 2019 et j'ai relancé l'outil en décembre 2019. Et donc, on a fêté nos 3 ans il y a peu de temps. Et on a démarré avec 4 salariés. Aujourd'hui, la palette, ils sont 7 salariés. Et c'est très complémentaire. La synergie de travail que j'avais imaginée entre les deux sites, en fait, s'est mise plus rapidement que prévu. Et plus facilement, et notamment avec la période Covid. Donc ça, c'était la première entreprise, la deuxième ? Voilà, c'était la deuxième, donc à Palette Lanchalos en 2019. Et donc récemment, le 24 février dernier, j'ai acheté aussi une entreprise qui est aussi la suite, puisque ça me permet de, un, à la scierie Bédora, de faire des traverses en pin, et là, de faire des traverses en chêne. Et en plus de ça, il y a le traitement, tout ce qui est traitement pour les terrasses. Donc c'est complémentaire et tout ça dans un rayon de 30 km d'avoir ces 3 sites. Et la palette, c'est quand même une entreprise qui date des années 50 et bois imprégné qui est sur la commune de Metz à côté de Dax. Elle a fêté ses 103 ans. Donc, encore une belle histoire. Encore une belle histoire ouais. et on a plein de vieilles photos dans les bureaux. Ouais, ça fait pas 10 ans, hein, ça fait juste 3 ans là. Hein. Je peux peut-être passer là, on a l'impression que ça fait 10 ans que ça a été repris, mais en 3 ans, honnêtement, à faire deux reprises, plus tous les investissements qu'on vient de voir, c'est. Et assez rare. Et finalement, alors, Frédéric, il a 40 ans, ok, il porte 250 ans d'entreprise sur les bras, et ça, je trouve ça admirable quand même. Oui, et il pense à l'avenir. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Que vous inspire ce parcours, cette personnalité et puis finalement ces projets? On commence avec vous, Annie. Eh bien, moi, je trouve que Frédéric, c'est un exemple de parcours absolument intéressant. Il y a de la passion, même s'il est né dans la forêt, je pense, à mon avis. Mais il y a une passion qui est énorme. Et puis, il y a une passion pour l'entreprise, pour les hommes qui la composent. Et je trouve extraordinaire que toutes ces idées qui partent beaucoup de bon sens, mais que parfois on oublie dans le quotidien, eh bien, il les met en pratique. Il n'a pas oublié d'où il vient, ce de quoi il est fait. Et je trouve qu'il transmet quelque chose de formidable et je souhaite de continuer longtemps pour que toutes les pages du cahier pirate, eh ben, continuent à être remplies. Oui, un prix RSE plus que mérité, Jérôme. Non, mais vraiment plus que mérité. Nous, moi, je suis très fier quand j'entends ces histoires d'entrepreneurs parce que nous, on est banquiers, donc on accompagne les entrepreneurs. Et là, c'est vraiment, l'histoire est complète. Et je précise, parce que la démarche RSE, c'est pas là elle est globale, c'est-à-dire il a travaillé, enfin en fait on a un repreneur qui a une vision stratégique, il travaille son capital humain,
pas de croissance si vous ne gérez pas votre capital humain. Après, il travaille son capital environnemental, qui est le nôtre, entre nous d'ailleurs. Ce n'est pas que le CA, c'est le nôtre. Donc, il le préserve et il gère, parce qu'il gère très bien le capital financier et aussi très bien géré, parce que vous ne pouvez pas faire tout ça, tous ces investissements, s'il n'y a pas la finance derrière. Et donc, vous avez un mixte de vision et vous faites en plus derrière des croissances externes. Tout ça en circuit court, parce que là, on préserve de l'emploi dans la région, il développe. On parle d'entreprises centenaires, vous n'avez pas tant que ça en France quand même, des entreprises centenaires, contrairement à ce qu'on pense, il n'y en a pas tant que ça. Donc, vous avez un global qui est juste extraordinaire. Voilà, bon, il y a peut-être encore le digital, hein. Il faudra peut-être rajouter l'Excel, comme on dit, comme vous l'avez dit, c'est 2000. Maintenant, il va falloir, voilà, et là, vous cochez toutes les cases. Il y a même un petit peu d'international, d'après ce que j'ai compris, déjà. Donc, nous, on a 5 dimensions de croissance, et sur les 5, j'en ai déjà 4. Il y a le digital, il faudra encore un peu, mais comme on dit, quand on reprend une entreprise, il y a un peu du pain sur la planche, je n'ai pas de mauvais jeu de mots. Voilà, mais là, il a tout à... Je tiens à dire quand même qu'au niveau digital, depuis un an et demi, j'ai investi dans un programme pour que chaque entreprise ait le même programme pour l'utiliser. Ouais, allez, un dernier mot, les projets en matière RSE ou en matière entrepreneuriale, c'est quoi? C'est une quatrième entreprise que vous voulez racheter ou vous arrêtez à trois là? Alors déjà, j'ai prévu depuis décembre dernier, j'ai fait un cadeau de Noël à mes salariés qui va arriver dans les prochaines semaines, c'est que j'ai décidé de les habiller. Donc, ils vont recevoir des habits pour aussi bien l'hiver que pour l'été, plusieurs shorts, des tenues de travail adaptées. Qu'ils aient tous ces habits. Et donc, ça va arriver. Ça, c'est ma prochaine action qui arrive. Et vous parlez d'une quatrième entreprise. Oui, elle est en tête. Ah, là, je sens Jérôme intéressé. Vous en parlerez hors antenne. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Et encore, félicitations pour ce prix. Ouais. Merci. Bravo.